Au milieu d'un jardin, il se trouvait un rosier, tout couvert de roses. Et dans le plus beau de tous, il y avait un elfe. Un elfe si petit qu'aucun œil mortel ne pouvait le voir. Il était aussi bien fait, aussi parfait que n'importe quel enfant pouvait l'être. Il avait des ailes allant de ses épaules à ses pieds. Derrière chaque pétale de la rose, il y avait une alcôve. Oh, comme ces alcôves étaient parfumées, et comme les murs étaient brillants et transparents, car c'étaient les plus beaux pétales roses pâles de la rose. Tout au long de la journée, le petit elfe se réjouit de la chaleur du soleil en volant de fleur en fleur ou en dansant sur les ailes des papillons qui volaient. Et il mesura combien de pas il lui faudrait faire pour traverser toutes les routes et tous les chemins sur une seule feuille de tilleul. Vous voyez, ce que nous appelons les veines sur une feuille étaient haute route et chemin vers lui. Ce fut un long voyage. Il avait commencé assez tard. Donc avant qu'il n'ait terminé, le soleil s'était couché. Il faisait très froid. La rosée était tombée. Et le vent avait soufflé. Alors maintenant, il était grand temps qu'il rentre à la maison. Il sauta aussi vite qu'il le put. À sa grande consternation, il découvrit que la rose avait fermé ses pétales pour la nuit. Pas une seule rose ne se tenait ouverte. Il n'a pas pu entrer. Or, le pauvre petit elfe rose était terriblement effrayé, car il n'était jamais sorti la nuit auparavant. Il avait toujours somnolé sereinement et en toute sécurité, derrière les pétales chauds de rose. Ce serait sûrement sa mort. Soudain, il se rappela qu'à l'autre bout du jardin, il y avait une tonnelle de jolies chèvrefeuilles, ces fleurs qui ressemblaient à de grandes cornes peintes. Dans l'un d'eux, peut-être, il pourrait descendre et dormir en toute sécurité jusqu'au matin. Rapidement, il s'envola vers l'extrémité du jardin. Mais soudain, il s'arrêta. Calme ! Il y avait déjà deux personnes sous la tonnelle. La plus belle jeune fille et un beau jeune homme. Ils étaient assis ensemble et souhaitaient ne jamais se séparer. Ils s'aimaient. Encore plus que le meilleur enfant peut aimer son père et sa mère. Et nous devons nous séparer, disait le jeune homme. Ton frère ne m'aime pas. Alors il m'envoie faire un long voyage, au-delà des montagnes et des océans lointains. Adieu, ma douce épouse. Tu restes à jamais mienne. Alors ils s'embrassèrent, et la jeune fille pleura et lui donna une rose. Mais d'abord, elle pressa sur elle un baiser si chaud et tendre que les pétales de rose s'ouvrirent. Et puis le petit elfe glissa rapidement à l'intérieur. Comme il appuyait sa petite tête contre les murs délicats et parfumés, il pouvait entendre « Adieu. 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 » Et il sentit que la rose était placée sur le cœur du jeune homme. Ah, comme ce cœur battait! Le petit elfe ne pouvait pas s'endormir sous ses battements. Mais la rose ne resta pas longtemps sur ce cœur palpitant. Tandis que le jeune homme marchait seul dans le bois sombre, il sortit la rose et l'embrassa si souvent et si chaudement que le petit elfe fut presque écrasé. Soudain, un autre homme apparut. C'était le frère sombre et méchant de la jolie jeune fille. Il tira un long couteau tranchant. Et tandis que le jeune homme embrassait la rose, ce méchant le poignarda à mort. Puis il trancha la tête et enterra la tête et le corps dans la terre, molle sous le tilleul. Maintenant il est mort et oublié, pensa le mauvais frère. Il ne reviendra plus jamais. Il était censé être parti pour un long voyage où un homme pourrait facilement perdre sa vie. Et il a donc perdu la sienne. N'osera jamais m'interroger à son sujet. Puis il jeta les feuilles sèches sur la terre meuble et rentra chez lui dans l'obscurité de la nuit. Mais il n'était pas seul, comme il le pensait. Le petit elfe était avec lui. Car tandis qu'il creusait la tombe, une feuille de tilleul séchée et enroulée était tombée dans ses cheveux. Et l'elfe rose était dans cette feuille. Or, le chapeau de l'homme était placé sur la feuille.
et il faisait très sombre de là-dedans, où le petit elfe tremblait de peur et de colère devant l'action odieuse. Au petit matin, l'homme maléfique arriva chez lui. Il ôta son chapeau, entra dans la chambre de sa sœur. Là gisait la jolie jeune fille, rêvant de son bien-aimé qu'elle pensait voyager loin au-dessus des montagnes et à travers les forêts. Le méchant frère se pencha sur elle et rit du rire hideux du diable. Et la feuille desséchée tomba de ses cheveux sur la couverture du lit. Mais il ne le remarqua pas et très vite il quitta sa chambre pour dormir un peu lui-même. Le petit elfe sortit tranquillement de la feuille desséchée, se glissa dans l'oreille de la jeune fille endormie et lui raconta, comme dans un rêve, l'histoire terrible du meurtre. Il décrit l'endroit dans les bois où son frère avait tué son amoureux, et l'endroit sous le tilleul où le corps avait été enterré, et puis chuchoté. Et pour que vous ne puissiez pas penser que tout cela est un rêve, vous trouverez une feuille flétrie de l'arbre sur votre couvre-lit. Et quand elle s'éveilla, elle a trouvé la feuille. Oh, quelles larmes amères elle versait. Pourtant, à personne elle n'osait confier son chagrin. Tout le jour durant, sa fenêtre était ouverte et le petit elfe pouvait facilement s'échapper vers les roses et toutes les autres fleurs du jardin, mais il ne pouvait supporter de quitter la jeune fille triste. Depuis la fenêtre se tenait un buisson où fleurissaient des roses chaque mois. Il a trouvé une cage dans une de ses fleurs d'où il pouvait regarder la pauvre fille. Souvent, son frère entrait dans la chambre, joyeux d'une mauvaise joie, et elle n'osait pas dire un mot de la douleur en son cœur. La nuit est venue, elle s'enfuit de la maison et se rendit dans la forêt, à l'endroit où se trouvait le tilleul. Elle balaya les feuilles, creusa la terre, et enfin revint au corps de son bien-aimé défunt. Comme elle a pleuré alors, et comme elle a prié Dieu qu'elle aussi pourrait mourir. Elle aurait volontiers emporté le corps avec elle, mais comme c'était impossible, elle prit la tête pâle, aux yeux clos, baisa la bouche froide, et d'une main tremblante, retira la poussière des beaux cheveux. Celle-là au moins je peux la garder, pleura-t-elle. Puis elle enterra de nouveau le corps et dispersa encore les feuilles sur lui. Mais la tête, avec une petite branche de jasmin qui fleurissait dans le bois où il avait été tué, elle l'emporta chez elle. Dès qu'elle fut arrivée dans sa chambre, elle apporta le plus grand pot de fleurs qu'elle put trouver et elle y posa la tête du mort, la couvrit de terre et planta la branche de jasmin. Le petit elfe ne pouvait plus supporter de voir un tel chagrin. Adieu, adieu, chuchota-t-il. Puis il s'envola faire sa rose dans le jardin. Mais elle était desséchée, fanée maintenant, et seulement quelques feuilles sèches s'accrochaient au buisson. Hélas, soupira l'elfe. Combien de temps tout ce qui est bon et beau passe au loin. L'enfant est trouvé. Larmes amères tombaient doucement sur le brin de jasmin. Et chaque jour, elle devenait de plus en plus pâle. Et chaque jour, la branche devenait plus fraîche et plus verte. De nouvelles pousses apparurent, l'une après l'autre, et de petits bourgeons blancs éclatèrent, et elle les embrassa. Quand son méchant frère la vit faire, il la gronda et lui demanda pourquoi elle avait agi si bêtement. Il n'aimait pas ça, il ne comprenait pas pourquoi elle pleurait toujours sur ce pot de fleurs. Il ne savait pas que se trouvaient là les yeux fermés et les lèvres rouges qui étaient retournées à la poussière. Et la jolie jeune fille pencha sa tête contre le pot de fleurs et le petit elfe la trouva là, tombée dans un doux sommeil.
Alors il se glissa à nouveau dans son oreille et lui chuchota de cette soirée dans la tonnelle et du parfum des roses et des amours des elfes. Puis elle rêva si doucement, et tandis qu'elle rêvait, sa vie s'éteignit doucement. Elle mourut d'une mort paisible et fut au ciel avec son bien-aimé. Et les fleurs de jasmin ouvrirent leurs grandes cloches blanches et donnèrent leur parfum merveilleux et doux. C'était la seule façon qu'il connaissait pour pleurer les morts. Quand le méchant frère vit la belle plante qui fleurissait, il crut que c'était l'héritage de sa sœur et la mit dans sa chambre près de son lit, car elle était magnifique à regarder et son parfum était doux et frais. Mais le petit elfe rose partit avec lui et s'envola de fleur en fleur. En chacune vivait une âme minuscule et à chacune il racontait l'histoire de l'homme assassiné dont la tête même maintenant reposait sous la terre sous eux. « Nous le savons !» répondit chaque petite âme dans les fleurs. « N'avons-nous pas jailli de ses yeux et de ses lèvres assassinées ?» Les fleurs se sont ouvertes, et de chaque fleur est sorti un esprit minuscule invisible, mais armé d'une lance pointue, empoisonnée. Ils se glissèrent d'abord dans ses oreilles et lui racontèrent de mauvais songes. Puis, ils s'envolèrent sur ses lèvres et lui percèrent la langue avec leurs dards empoisonnés. « Maintenant, nous avons vengé le mort !» Mais il était déjà mort, et les gens se tenaient autour de son lit et disaient « L'odeur du jasmin l'a tué !» Alors l'elfe rose comprit la vengeance des fleurs et la raconta à la reine. Alors la reine des abeilles bourdonnait dans l'air et chantait la vengeance des fleurs et de l'elfe rose. Et comment derrière la plus petite feuille, il y a quelqu'un qui peut révéler et réparer tout mal ?